c'est la première fois que nous allons avoir ici en France, en Europe, la publication d'une bande dessinée inspirée d'une vête. Donc cette mythologie fantastique d'Afrique centrale qui est l'objet depuis quelques années de transcriptions et de sous forme écrite et sous forme graphique, donc de dessin au Gabon, par l'équipe de DN Édition et puis aussi la Fondation Mbégué. Et donc un groupe d'auteurs, scénaristes et dessinateurs a proposé aux éditions Dagan ce projet d'une série donc, de plusieurs volumes de bandes dessinées qui vont être consacrés justement à différents super-héros de cette mythologie-là. Donc cette bande dessinée est un peu l'équivalent de ce que les Américains ont créé, hein, ce qu'on appelle les comics américains. Il s'agira donc d'une série de comics africains, qu'on pourrait appeler des K-Mix d'ailleurs, que nous avons choisi d'appeler Ekan, donc un terme fan, qui à la fois signifie l'écriture, le travail de graphisme, et qui se réfère justement à la culture du peuple Ayong. Le tome 1, Alum Dong Minko, l'affront, parle de ce super-héros totalement hors norme, atypique. Contrairement aux héros des cultures occidentales, le héros, le super-héros africain n'est pas forcément injusticier, n'est pas forcément un homme bon. Il peut être un méchant de la culture africaine. Et justement, le héros de notre histoire, Alum Dong Minko, est un anti-héros, c'est un super-héros méchant. Et il va donc provoquer la discorde et provoquer le courroux de nombreuses populations. Pourquoi ? Parce que l'histoire se déroule dans deux mondes. Le monde des mortels et le monde des immortels. Les mortels envient bien sûr les immortels, veulent percer le secret de l'immortalité de ces derniers. Et avec notre super-héros Alum Dong Minko, ici, la problématique que nous allons voir à travers deux tomes, hein, le tome 1 c'est l'affront, le tome 2 ce sera la riposte des immortels. Dans le tome 1, Alum Dong Minko va attaquer une population de mortels et tuer plusieurs dizaines d'entre eux parce que pour construire sa demeure et les tapisser de peau humaine. Vous voyez donc, il s'agit d'un héros méchant. Et les immortels informés de ces méfaits vont décider d'organiser une répression et donc un groupe de militaires immortels va être dépêché à la recherche de Alum Dong Minko pour le ramener au tribunal des immortels. C'est donc le résumé du tome 1. Et le tome 2, ce sera donc le combat des immortels et ce super-héros Alum Dong Minko. Cette bande dessinée s'adresse à un public large, mais à partir des adolescents. C'est un public ado-adulte. Je pense que les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas lire ce livre parce qu'il y a quand même de la violence dans les histoires, dans ces bandes dessinées. Mais tout public à partir de l'âge de 13 ans, y compris bien sûr public adulte, peut lire cette bande dessinée. Et l'adaptation qui est faite par les auteurs et les dessinateurs devrait permettre justement à un public non initié, qui ne connaît pas le Vet, et public d'ailleurs non originaire d'Afrique centrale, donc un autre public africain, et un autre public non africain d'ailleurs, ou tout public donc, que ce soit européen ou asiatique ou d'autres ou américain, de pénétrer cette histoire et de découvrir justement une autre forme de mythologie, et celle-ci c'est une mythologie fantastique africaine. C'est une histoire qui nous permet de nous initier aussi à la culture d'un peuple, justement à ce peuple Ayong de l'Afrique centrale. Les thèmes abordés sont des thèmes universels. Effectivement, il s'agit de l'immortalité. On sait que de tous les temps, les hommes cherchent à vivre le plus longtemps possible, cherchent à rester jeunes le plus longtemps possible, et même cherchent à percer le secret de l'immortalité. La médecine actuelle aujourd'hui étudie notre patrimoine génétique, tout notre ADN, pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de prolonger indéfiniment la vie humaine. Ces contes, ces récits sont adaptés justement de contes, de récits de maîtres conteurs gabonais,
et d'autres régions d'Afrique centrale, qui nous font découvrir justement d'autres formes de pensée, d'autres imaginaires. Et l'intérêt de ce travail, d'un point de vue culturel, c'est que justement, pendant longtemps, l'univers, notre imaginaire, puise jusque-là dans le patrimoine culturel occidental. Les Africains aujourd'hui sont nourris justement de films, d'histoires, même de contes qui viennent justement du patrimoine occidental, alors que l'Afrique regorge justement de richesses en matière justement de contes, de mythologie, de fantastique. Et il était temps de faire ce travail-là, initié justement par ces auteurs qui nous viennent du Gabon. Nous avons prévu, dans le cadre de la sortie du tome 1 de cette bande dessinée à Lumban Minko, de faire appel à l'un des auteurs, Privan Gomo, qui est scénariste de cette bande dessinée, pour qu'il vienne en France, puisque nous avons prévu la sortie du livre avec le festival, la dernière édition du festival de bande dessinée d'Angoulême, qui aura lieu du 26 au 29 janvier prochain. Et donc, Ivan Gomo devrait venir en France, à défaut d'être là aujourd'hui, devrait être présent la semaine prochaine au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Ce sont les éditions d'Agan qui publient effectivement cette série d'albums de bande dessinée sur le Mvet, donc à Lumban Minko, tome 1 l'Afond, et tome 2 ce sera la Ripoque des Immortels. Donc les éditions d'Agan seront présents au Festival de bande dessinée d'Angoulême du 26 au 29 janvier. Et nous avons prévu déjà, bien sûr, des séances de dédicaces avec le scénariste Ivan Gomo, mais également une conférence de presse le 26 janvier à Angoulême, où la bande dessinée sera présentée par les éditions d'Agan.